Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur TV du peuple RD Congo. Voilà, tous à la Kavana toujours pour nous informer Bino en temps réel, mais aussi faire l'autopsie et la situation politique congolaise. Voilà, mesdames et messieurs. Vous allez remarquer l'absence de mon confrère Chonak Debout. Voilà, comprenez tout simplement que c'est pour des causes majeures. Mesdames et messieurs, voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un point Mokoboye pour nous informer de nos situations. Il y a Mboka Nabiso. Voilà, aujourd'hui, mesdames et messieurs, il y a une remise et reprise dans l'Assemblée nationale, donc entre le bureau d'âge, qui est composé de 3 membres, voilà, le président, le questeur ainsi que le rapporteur, voilà, Mboso Kodia, il y avait l'honorable Aminata et l'honorable Gaël Boussa. Aujourd'hui, bah, ça, les remises et reprises dans le nouveau bureau définitif. Il y a bah, élection Oyo et Utaki Koleka, il n'y a pas trop longtemps, voilà. Les lots, bah, ça, les remises et reprises avec comme président Christophe Mboso Kodia. Espérons que bureau définitif Oyo bah ça les remise reprise dans bureau d'âge bah ça la musala na bango très bien. Espérons parce que Mboso Kodia mesdames et messieurs ceux qui a zongi li sousou na présidence ya Assemblée nationale parce que azali qui président d'âge na Assemblée nationale bah député bah décider qui ko honorerie to ko élurie le cola président pour le bureau définitif après la déchéance de madame Janine Mabunda. Voilà, on avait dit autrefois que c'était le choix direct du chef de l'État dans le cadre de l'union sacrée yango chef de l'État pour naki Christophe Mboso Kodia bino mo boyebi ba candidat bazali ki ebele. Il y avait selon ma rumeur il y avait Christian Mwando Simba, il y avait monsieur Jean-Pierre Liaou, voilà bazali moi ebele presque 3 ou 4 personnes comme ça, mais chef de l'État a pourtant qui choix naye sur l'honorable Mboso Kodia. Pourquoi chef de l'État pourtant qui choix naye sur monsieur Mboso Kodia? Parce que monsieur Mboso Kodia a d'abord une expérience, pas seulement âge naïe, mais a une expérience parce qu'il fut plusieurs fois ministre du temps de Mobutu, mais aussi de Joseph Kabila. Et aujourd'hui, chef de l'État, ce qui est un débat qui est dans le perchoir et à l'Assemblée nationale, a été pourquoi? Monsieur Mboso Kodia est secondé par monsieur Jean-Marc Kabund, qui a été déchu il y a pas très longtemps aussi, avant d'ailleurs de chance, il y a Mabunda. C'était d'abord l'honorable Jean-Marc Kabund, Oyo, Balimojaki, Mtualibousso, parce que Alobaki Makamboya, réflexion à l'Assemblée, Mrambambong, tout ça, il fallait 4 millions de dollars, mais bah, on va s'en que 7 millions de dollars. Et raison laquelle, Balongolaki, Jean-Marc Kabund. Mais Jean-Marc Kabund a eu chance, il y a Kozongarana, première vice-présidence, il y a l'Assemblée nationale. Batobile va s'en pourquoi toujours Jean-Marc Kabund Azar Kozonga na poste wana. Mesdames et messieurs, il faut vous dire que Jean-Marc Kabund, c'est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un vraiment qui est ferme, qui assure d'ailleurs la sécurité du côté UDPS, tout encore Azar qui a inspiré confiance dans un chef de l'État. Raison laquelle Bazung si Jean-Marc Kabund place wana parce que Asala comme ça en a été très bien parce que Tomiki ko stala ba recherche tout ni ba question na ba tout ebeli ya UDPS ba confirmer biso pour na nini chef de l'État Azung sa ki lisusu choix na ye likolo to na Jean-Marc Kabund na poste ya première vice président. Mesdames et messieurs, voilà, donc nous espérons que tout le monde va faire ça, parce que tu as dit que bureau déchu précédemment et bah n'a qu'au salam ça la bien été bino moko boyebi ça que tu as colobaté, voilà bah les bah mes gars qui ont freiné évolution en Boka Nabiso parce que l'Assemblée nationale est la deuxième institution après y a chef de l'État mesdames et messieurs, c'est à dire que bah ça a un rôle moko monumental au bah jouer en Boka Nabiso. Alors ceux qui n'a l'Assemblée nationale bah ça que ça la effort tout qu'au préparer bah bloc moko boyebi pour qu'on contrecarrer bah projet à chef de l'État tout encore qu'au rétropédaler bah action chef de l'État. Parce que
oyo institution eza ko jouer rôle munene 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 makasi. Alors selon Mboso Kodia, voilà, Aloba qui juste après Koelurie na Assemblée nationale, Aloba qui bel bien que non, Azawa n'a pas soutenir chef de l'État, tout pour soutenir vision chef de l'État, mais surtout rompre la mauvaise gouvernance au Yakala pour que Bango, ba meka kotia bonne gouvernance afin que ba meka ko contenir au chef de l'État une courte échelle pour amekako avancer très bien pe visionnaye et mekako kokisama. Donc espérons surtout que Jean-Marc Kabunda zawana et na ba msusu wana bien que baza composé abato ensemble baza na kati ya bureau wana bato IDPS Jean-Marc Kabunda zawana na monsieur Mboso Kodia ndenga zawana aza muto FCCT mais apostila ki na casquette ya parti politique naye. Voilà, mesdames et messieurs, parce que Batoazolo Banor, toujours Batoumoko Mokoana de Bazoum Nassamine National, Bato FCC, ensuite de suite. Non, Mboso d'apostila qui, le cola candidat, il y a parti politique naïe et non candidat, il y a FCC. Parce que déjà Mboso Kodia loin qui FCC. Alors, FCC, à côté qui n'a union sacrée. Le cola Batoumoussou, il y a ensemble, il y a une union sacrée. C'est pourquoi Bomoni, Mboso Kodia, Poanga, chef de l'État, à Ponye, voilà beaucoup mon abilili tourla Sabino ndenge nini basala qui remise peu reprise. Je pense que et Makambo Zala qui bien malamou pe cérémonie illégale qui très bien politiquement parlant et puis courtoisie Zala qui en tout cas et ça l'est bien. Donc cela prouve à suffisance que non Moussala et Kostalama malamou na 3 ans au chef de l'État à Tikali na Yango au cas où élection. Et Kosala Manambo Kanabiso. Voilà, mesdames et messieurs, Nangambo Yami Balé, to la chambre haute, to na Sénat, autrement dit, remise paix, reprise, et Salama Kikuna, voilà, monsieur Alexis Tamwamba, qui était le président, il y a assemblée, plutôt il y a chambre haute, to il y a Sénat, à Zalaki sur place, pour la Kosala remise et reprise, na bureau d'âge. Dans quelles conditions Balongola qui l'honorable Tamo Mamba na présidence il y a Sénat chose grave paix et ça les biso bientôt et ça les populations bien exacte Tamo Mamba a souhaité bonne chance na bureau d'âge Oyo Basali na Bango remise reprise en tout cas Bilili Bokomona Yango et ça les biso bien donc en demi de fait sinaye. Raison laquelle Koutou aye Kosala est remise et reprise avec les bureaux d'âge. Mesdames et messieurs, une deuxième pétition lancée contre les premiers vice-présidents du Sénat, M. Sami Badi Banga, déjà plus de 60 signatures récoltées par le député, par le sénateur du FCC. Je ne sais pas, naba député, bah, sénateur Moussous Yakash, voilà, déjà bah, récolté plus de 60 signatures contre Sami Badi Banga, parce que Sami Badi Banga était le seul rescapé na batunyo so oyo basala ki démission na Sénat. Binomoko boye bitango balancer pétition contre Tamo Mamba yemoko atali amuno non déjà na sina koyi au lieu na subir au propre to honte to soni le kola oyo premier ministre Ilunkamba azela ki aboyi ko démissionner alinga ki ka ba de choirier pour ki ameka ko démissionner mais Alexis Tamwamba a joué qui na intelligence moko to na sagesse moko boye a démissionné qui avant même les autres membres ya bureau ya Sénat ba démissionné qui avant ba de choix bango par le vote na Sénat. Alors il ne restait que monsieur Sami Badi Banga qui était comme premier vice-président il y a Sénat Atikalaki wana le ko la membre ya Union Sacrée mais biso to kanisa ki peut-être que non ye mutunde a ko diriger makamuni sonne zotalama to yende a ko travailler avec l'administration le ko la bureau mobimbe ko ya kité le ko la o ya Assemblée nationale parce que ce qui bureau il y a Sénat et ko ya kinyoso là bureau d'Agelinga qui est dirigé Makamuto ba plénière nyoso o yekolanda. Alors le cola monsieur Sami Badi Banga tikala qui la place wana je pense que Alinga qui a travaillé avec l'administration ya Sénat pour organiser ba plénière mususu afin que bureau définitif to ba poste vacant ou tikala qui ya présidence ya Sénat questeur et les autres ba remplacer bango
na batu mususu mais lelo bauti ko déposer pétition contre lui ba déposer ango na bureau d'âge lelo et pas ya ba sénateur to ébité et que ça n'a ni moment vote est-ce que ba kolongola sami ba dibanga to point ya chef de l'état et ko compter to ébité parce que ça membre union sacré bino mo ko boyi na ba élection et tout que les assemblée nationale longola qui ba candidature ebélé ya ba député ebélé ya différents partis politiques parce que basala qui ba membre ya union sacrée alors mais c'est sami ba dibanga aza membre ya union sacrée mais bazo viser la pétition par les sénateurs voilà tokoye ba yango na mikolizo koya soki ba kolongola ye to ba kotikaye voilà mesdames et messieurs pona makambo ya o Italie remise et reprise voilà mesdames et messieurs tokiti bikote ya Okatanga kuna tozomona baba kyungwa kumwanza azape président d'âge parce que balongola ki président ya assemblée nationale assemblée provinciale ya Okatanga ba ponaki baba kyungu lokola président d'âge et voilà bureau d'âge ndeza kusala musala na Okatanga kuna province gérée par le gouverneur Jacques Kiaboula du FCC. Voilà, aujourd'hui, Bautico déposé pétition. Ah, Migolesa, Migolesa, mais là, il y a pétition contre Moutoussongo, tout Pakala. Donc, Migoloso, ça, les Moussala, bien, t'es Balongolio. Voilà, donc, cela prouve en suffisance que non, chef de l'État, Félix Tshisekedi, a ça qu'on soit pouvoir. Namalem, Mending, la tenue, c'est pas ça, non. Il est en train de rafler le pouvoir sans aucune arme. Sans aucun crépitement des balles, Félix Tshisekedi asa ko za bokonzi. Voilà, esa sagesse, esa intelligence, de esa ko sala kenon chef de l'État à comme niveau, ya ko sala makambo minene. Voilà, ndenge na bino ke na Assemblée nationale kuna na Katanga. Voilà, baba tchungwa komanza zawana et puis on nous signale que non ba député ya perdu. Il y a Katanga et Bélé Basala qui conduit par l'honorable Nawej Bakenaki Kosala adhésion à Bango Kuna na Union Sacrée et pour na Union Sacrée voilà na Katanga donc on peut dire que na Katanga na ministre yo perdu Eza coexister sous soutien à l'Assemblée provinciale ya Okatanga beaucoup de membres il y a perdu beaucoup d'honorables, il y a PPRD, Basali Adjana Bango, na Union Sacrée, na présence, il y a président d'âge, il y a Assemblée provinciale à Katanga, il y a Okatanga, Baba Tchungwa Kumaza Bino Mokuboyebi, Baba Tchungwa Kumaza autrefois, je vous avais dit que non, la ministre Oyo Aza pionnier, to Aza parmi les piliers, il y a Okatanga, ba Oyo Baza ko soutenir au chef de l'État. Na mandat naye mesdames et messieurs voilà quel que soit ba problème ou ya baba kyungwa sala 1992-93 tu sais que bien yango autrefois que non déjà singa bolimbisi chef de l'État étant chrétien azoli misabatunyo so basala mabe mais soki ozungi sur susu yeba ki place na yo eza a prison voilà mesdames et messieurs lelo topé sibino ba information oyo misatu ya ba remise reprise na banzi mutunyoso ayoki je pense que mutunyoso za kusala analyse naye soki ba ko soutenir chef de l'état pour akende liboso to ba tumsu ba ko flatter chef de l'état pour na komete ba ko en jambe mais na banzi chef de l'état ayebi déjà makamazo sala pe soutien exam akasi sur le plan national qu'international je pense que nyonso eko les kamalamu voilà mesdames et messieurs nous sommes arrivés à la fin il y a émission Nabiso, voilà, je pense que te comprendre pour Nanini, chef de l'État, à Kenya Kikunana, Addis Abeba, bah Elurié, tout à Kenya Kiko, salaire remise de reprise, voilà, voulais-je dire, avec M. Cyril Ramaphosa, le président sud-africain. La ministre Oyo, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a commis président il y a Union Sacrée pendant une année. Il y a Union Africaine plutôt pendant une année.
Lobby lundi à Zonga Kina Mboka Kinshasa, je pense que forte mobilisation. Ils allaient qui na aéroport international Yaoundé. Bilomoko Bomona qui va parti politique et Béli FDC allaient sur place, UDPS sur place, ensemble et les autres partis politiques. Ils allaient qui sur place pour Nakoyamba Mokonzi ya Ekolo Nabiso RDC. Voilà, mesdames et messieurs, Toyebi qui est nos chefs de l'État à Roussala est fort. D'ailleurs, Remo Kalobaki et Loga Liboso, il faut ça d'abord, ils ont barrage, il y a Inga pour fournir électricité en Afrique. Je pense que tout ce qu'il a comme projet à la tête de cette institution, il y a l'Union africaine à Koko Kisayango, parce que tout le monde a dit déjà avant 4 mois, il y a prise des pouvoirs dans l'Union sacrée. Déjà, il avait installé. Tout un panel pour accompagner un mandat il y a une année à la tête de cette institution. Donc, espérons que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a fait un effort pour accompagner l'Afrique, pour faire un effort Afrique pays et valeur, pour puissance moguboye grave pour la province, plutôt pour la continent, pour Soussouba, Mekakota. L'évolution Afrique de Kende sous mandat il y a Félix Tshisekedi Tshilombo. Qu'on a peut-être monaki le président ya Rwanda Paul Kagame et puis Aloba qui non Azak pour soutenir le chef de l'État. Il est pris à travailler avec le chef de l'État Félix Tshisekedi, le coup la commis président de l'Union africaine en demi pour travailler naïe pour nakomé pour promouvoir Afrique entière. Voilà, mesdames et messieurs, tout le monde a souka ya émission abisso tokoku tanisus lobby. Nako informer le sous bino ba information ya malamu ya mboka na biso. Merci beaucoup à mon cameraman Joseph Ntumba, merci beaucoup à notre PDG, voilà à Balandai qui est na Belgique. Merci beaucoup aussi à vous tous Bolanda qui biso de partout Zambe Pambola bino pour s'abonner massivement à TV du peuple RD Congo pour nako zanga le sous ba information fiabilité. Voilà, on se retrouve demain avec une autre information. Au revoir.